basuga shigera sule. Le poids de Dieu est en ces lieux. Le poids de Dieu est en ces lieux. Mon Dieu est pesant. Mungu wangu kwa apa. Mon Dieu est lourd. Mungu wangu kwa bujito. Mon Dieu est pesant. Mungu wangu kwa bujito. Mon Dieu est lourd. Mungu wangu kwa bujito. Tes ennemis ne pourront pas résister. Badu ya kwa bata shindana. Tes ennemis ne pourront pas résister. Badu ya kwa bata shindana. Tes ennemis ne pourront pas résister. Badu ya kwa bata shindana. Maraboblose. Ika dara shude. Que Dieu soit béni, merci la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'en vais dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde ce soir d'apporter la parole. Trois fois ou deux fois, j'ai raté cette occasion. Je crois que Dieu avait voulu que je vienne cette année. Les parents ne sont pas encore là. Je suis très reconnaissante envers eux. Pour moi, c'est une grande joie. Et pour moi, peut-être une première fois de me tenir à Joël. Après tant de promesses, disons dans des circonstances pareilles. Ça se passe souvent chez nous à Kinshasa. Et quand je me tiens debout là, je dis c'est une promesse qui vient encore de s'accomplir. Je suis fidèle à ces dieux là. 20 ans la génération Joël, j'ai bénéficié de l'amour. Papa est là. Je disais à maman Kieuse, ne touche pas trop aux yeux. Parce que je ne veux pas que des larmes noires coulent de mes yeux. Dieu merci. J'avais déjà pleuré les dimanches. Et aujourd'hui, ça va. Je vais dire merci, papa. Dans tout ce que je peux dire, je reconnais l'amour. Beaucoup d'amour auprès de mon père. Il m'a jamais vu grande. Il manifeste toujours cette affection-là envers moi. Ou envers notre couple. Il y a des moments où nous l'avons appelé. Il était dans les voyages. Nous disons, papa, nous avons besoin de toi. Ok, j'arrive. Le jour de mon mariage, je l'ai appelé. Papa, si tu peux venir à la fête. Ok, je vais venir. Il n'exige rien. Pas les transports. C'est juste l'amour. Chaque fois qu'il venait à Kinshasa, une année ou deux ans après, il me disait toujours, Yolande, je te trouve toujours à ton poste. Reste là. Et ces paroles m'ont encouragé. Et aujourd'hui, nous sommes là grâce à ces paroles. Est-ce que nous pouvons célébrer, papa? Réussite mandaku. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu ici. Je vais aussi le bénir. Dieu m'avait promis aussi l'élévation à la génération Joël. Je n'avais que deux mois dans la foi. Je ne comprenais rien. Quand on te dit Dieu va t'élever, je ne sais quoi l'élévation. Ça restait comme ça, point d'interrogation à la tête. J'étais là. J'ai tourné. Même si j'étais élevé à la génération Joël. Et celui qui m'a élevé, c'est mon papa.
J'étais élevé, j'étais devenu responsable de l'intercession. Responsable en intercession. C'est mon papa Songo qui est dans la salle. Un homme bien. J'ai beaucoup appris de lui. Mon berger. Un homme qui aime la prière. Il nous a montré le chemin de Dieu. Il nous a appris à beaucoup prier. Surtout en brousse. Et aussi c'est lui qui m'a amené dans mon mariage. En fait, c'est lui qui m'a conduit là. C'est lui qui devait se décider sur l'homme de ma vie. Est-ce qu'on pouvait célébrer Dieu pour Papa Songo? Je vais saluer Papa Raymond. Papa Raymond m'a beaucoup marqué aussi. Et une fête qui m'a marqué. Des fois, quand il m'envoie un message, j'ai dit, papa, tu me fais verser de larmes. Non, non, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as un problème? Dis, non, il n'y a pas de problème. C'est moi le fait de rester là, tu écris un mot à Yolande. J'ai dit, qui suis-je? Papa Raymond m'a beaucoup marqué aussi. Il était là les jours de ma collation de grâce. Je n'avais que 21 ans à l'époque. Il était là les jours de mon mariage. Et ils sont là toujours. Me voir aujourd'hui en train de me soutenir aussi. Est-ce qu'on célébrer Dieu pour Papa Raymond? Je salue les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Je vais bénir aussi ma belle-mère. Je vais la bénir aussi. Une femme bien. Elle m'appelle pas Yolande. Je ne sais même pas si le nom de Yolande sort encore de sa bouche. Elle m'appelle toujours maman. Elle me met à la place de maman. Des fois, je les observe quand ils ont un problème. Je dis, peut-être on va me mettre à l'écart. Mais je suis au courant de tout. Et elle m'informe de tout. Elle aborde depuis son fils quand il y a un problème. Elle passe par moi. Quand elle a... Des fois, je l'entends en train de prier quand il est chez moi à Kin. Je passe devant sa chambre. Je l'entends en train de parler. Seigneur, maman Yolande. Je dis, oh Dieu, j'ai une intercesseuse. Pas ma propre mère biologique, mais Dieu m'a donné une deuxième maman. Que Dieu vous bénisse. Une bénédiction pour mes enfants. Elle aide beaucoup les enfants à faire les devoirs. Quand moi je dors là, maman et les enfants rentrent de l'école. Mais je fais 10 sur 10. C'est aussi une bénédiction, elle contribue beaucoup pour nous. Je vais bénir les oratrices aussi. Elles ne savent pas seulement préparer à la cuisine, hein. Elles ne sont pas seulement douées au makusa. Ok, makusa je dis. Mais nous avons mangé des choses spirituelles. Elles n'étaient pas fades. Une bénédiction pour le peuple de Dieu et pour l'église. Que Dieu vous bénisse, les mamans. Vous nous inspirez beaucoup. À qui je n'ai pas dit merci. À toi. Que Dieu te bénisse. Je pensais que j'avais beaucoup d'ennemis. Où je pensais que les personnes qui nous détestent sont nombreuses. Je viens de remarquer qu'il y a beaucoup plus de gens qui nous aiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Nous allons partager la parole. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, notre thème c'est garder silence, l'éternel combattra pour vous. Nous allons lire, on ne va pas se fatiguer de le lire. Peut-être aujourd'hui tu vas voir ça encore différemment. Exode 14, verset 13 à 14, nous lisons. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Garder silence, c'est une attitude que nous devons prendre face au combat. Mais ça là aujourd'hui, ce n'est pas mon problème. Je parlerai de ça peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du combat. Le combat. Ce sont des choses que nous traversons, nous subissons. C'est quoi le verbe que je dois dire? Des choses que nous faisons face, comment je cherche
le verbe. Bon, disons même que nous vivons tous les jours. Des fois, on se repose un peu, on rapporte la victoire après notre combat surgit. Ce sont des choses que nous allons commencer à vivre jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre. Et ce que je sais, nous serons toujours victorieux. Ce que je sais, nous allons toujours triompher. Parce qu'avec Dieu, nous sommes toujours des vainqueurs. Alors, nous allons parler de trois niveaux de combat. Le premier combat, le premier niveau de combat, c'est quand l'homme se bat seul. Amen. Amen. L'homme se bat seul. Il se bat seul comment? Dans son combat là, Dieu n'est pas à l'intérieur. Je vais vous donner un exemple. Un jour, les enfants d'Israël se décident d'aller se battre. Ils sont allés au combat sans consulter l'Éternel. La Bible dit ce jour-là, on les avait battus. Amen. Amen. Lui-même ou toi-même, tu te décides de te lever sans consulter l'Éternel. Tu dis, je vais aller dormir chez ma tante. Et ce jour-là, on t'étrangle. Tu vas dire quoi? Tu as pris la résolution toi-même. Ça, c'est le premier niveau de combat. Toi-même, tu te décides. Tu bats toi-même. Personne n'est derrière toi. Personne ne t'accompagne dans ce combat. Et ce genre de combat, on le perd toujours. Le deuxième niveau de combat, c'est quand nous combattons avec l'Éternel. Comment nous combattons avec l'Éternel? Tu as un problème, tu invoques Dieu. Seigneur, regarde ma situation. Regarde le moment que je traverse. Seigneur, viens à mon secours. Tu fais des jeûnes. Tu vas à la montagne. Tu invoques l'Éternel. Là, tu combats avec Dieu. Tu n'es pas passif, mais tu es actif. Tu combats avec l'Éternel. Il y a des jours où les enfants d'Israël ont consulté Dieu. Est-ce que nous devons aller à la montagne? Ou nous devons aller nous battre? L'Éternel dit, allez-y. L'exemple que je peux vous donner, c'est Moïse. Il demande à Josué, allez vous battre. Moi, je vais aller à la montagne, je vais invoquer l'Éternel. La Bible dit, pendant qu'ils étaient à la montagne, Aaron, Hur, ils étaient là en train de soutenir Moïse. Chaque fois que Moïse levait la main, Israël était vainqueur. Là, Israël est en train de se battre avec son Dieu. Nous nous battons avec l'Éternel. Il nous accorde la victoire. Alors, le troisième niveau de combat, c'est quand l'Éternel combat lui-même. C'est ça le thème de notre convention. Quand l'Éternel combat lui-même, l'Éternel combat lui-même, il ne demande l'intervention des personnes. Il n'a pas besoin de tes efforts pour qu'il puisse gagner le combat. Il n'a pas besoin de tes prières pour gagner le combat. Je viens déclarer ce soir que l'Éternel combattra pour toi. Que lui-même va se lever à ton combat. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quelqu'un ne m'a pas compris. Cette année, Dieu dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je vais te dire cette année 2020, l'adresse de tes ennemis, c'est sous tes pieds. Oh, quelqu'un ne m'a pas encore compris. Est-ce que quelqu'un comprend ce genre de combat? Est-ce que quelqu'un comprend ce genre de combat? L'Éternel lui-même combattra pour toi. Cette année, tu dormiras, l'Éternel va commencer à combattre pour toi. Cette année, tu ne vas pas suer, l'Éternel combattra pour toi. Tu te mettras à l'ombre de sa droite. Vous aimez le troisième niveau de combat.
L'Éternel lui-même s'élèvera. Cette année, tu marcheras sur tes ennemis. Cette année, tu marcheras sur tes ennemis. Tu marcheras sur le lion. Tu marcheras sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau. Tu fouleras le dragon. Tu seras dans le repos. Ah, j'ai comme l'impression que vous aimez seulement aller à la montagne. Hein, oui, hein. Vous aimez seulement vous battre, vous réveiller la nuit là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous faire souffrir avec les lingala. Moi, j'ai souffert avec ça. J'étais dans la prière. Vous priez bien en français. Mon bon ancien, ma Seigneur, je l'ai raté. C'était mon bon ancien. Alléluia. Amen. Mais j'ai béni, Dieu m'a donné une nouvelle langue. Dieu m'a donné une nouvelle langue. L'Éternel combattra pour nous. Cette année, tu ne combattras pas. Lui-même, il a pris la résolution de s'élever. Il sait que tu as un combat. Il sait que tu as beaucoup combattu. Il sait que tu es fatigué. Il sait qu'on t'a fait souffrir. On t'a malmené. Ah, Dieu se décide. Cette année, moi-même, je viens. Je vais le mettre dans le repos. Maintenant, je vais combattre. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Quand est-ce que l'Éternel intervient à nos combats? Ça aussi, c'est un problème. Pourquoi tout ce temps, Dieu, tu me laissais en train de me battre seul? Maintenant, là, tu te décides de venir. Ah, je vais te dire. Si Dieu vient dans ton combat, parce qu'il sent que tu es faible, c'est mon premier point. Dieu vient intervenir quand il sent que nos ennemis sont plus forts que nous. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. La Bible dit, les enfants d'Israël, quand ils ont constaté que les enfants, les Égyptiens étaient derrière eux, toi et moi, nous pouvons comprendre que leur frousse était venue parce qu'ils étaient sans armes. Ils ne savaient pas comment se défendre. La Bible dit, Pharaon a pris le char d'élite. Pas de petites choses, des grandes choses. Si je peux dire même des VIP ou bien des armes lourdes. Les enfants d'Israël se sont regardés. Ils ont dit, nous sommes faibles. Quelqu'un se sent faible devant ses ennemis ce soir. Tu te sens faible devant tes ennemis. Ce n'est pas un moment normal. Nous rencontrons ce genre de choses dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner l'exemple de Mardoché. Une sentinelle qui avait des combats face à son chef. Son chef entrait dans la cour du roi. Son chef avait la facilité de parler avec le roi. Mais lui, il était dans son coin. Maintenant, il fallait faire face à ce genre de combats. Alléluia. Alléluia. Combien d'entre nous ont des problèmes avec leur chef? Le chef te dit, chef, moi c'est ma minasema. Moi c'est quand je parle. Le minasema. Le quand je parle. Non, les baswahili. C'est comme ça qu'on vous appelle. Je veux seulement le minasema. Pas le mitasema. Mais comme lui, il est munukutuba. C'est toujours moi je parle. Maintenant, chez les bandou. Dis seulement comme moi j'ai dit. Alléluia. Amen. Le chef dit, moi je veux seulement telle tribu. Chef, on a mis pas kabila fulani. Mais pas lui. Lakini ya pana. La promotion, on devait te promouvoir depuis. Bar pasha kupancha mukaji. Mais lui dit niet. Yen asema pana. Je n'interviens pas. Mich tengiri yamo. Comme il n'est pas de ma tribu. Sa fila chino kabila yangu. Quelqu'un déjà rencontré ce genre de choses? Tu m'as chakutana kana mambo ya vile. Tu vas passer par qui? Utapita pana. C'est lui chef. Yenjo chef. Tu ne connais ni ministre. Aujua tawazi ni président. Akuna tarai. Tu es venu sans recommandation. Mais ce genre de combat, Dieu dit, moi-même je me lèverai. Je vais entrer. Dieu sait que tu es faible.
Dieu sait qu'on te méprise. Dieu sait que tu n'as pas de force. Mais lui-même il dit, j'ai pitié de ma fille. Elle a quelque chose là. Elle a une mission à accomplir. Qui la bloque? Qui la bloque? Là je vais venir pour intervenir. Je ne parle pas de ton oncle PDG. Je ne parle pas de quoi que ce soit. Mais je parle de l'éternel Dieu des armées. Lui qui va s'élever. Ah, tu seras impressionné par ça. Tu ne crois pas? Mon ennemi est plus fort que moi. Adu yango ni pita nguvu. Ngana lelela nani. Tamugiria nani. Des pauvres orphelins. Bayatima ba maskini. L'oncle dit. Muyomba nasema. Mon frère est parti. Nduku yango anakufa. Libérez la maison. Mtoke munyumba. Donnez-moi les clés. Munipe mamfungulo. C'est l'oncle qui parle. Ni muyomba nasema. Je vais passer par qui? Mitapita par nani. Il est plus fort que moi. Ce genre de combat. Qui va intervenir? Qui va venir à mon secours? L'Éternel dit, je viendrai à ton secours. Je m'élèverai pour me battre. Ah, alléluia. Alléluia. Ils sont plus forts que moi. Ils sont plus forts que moi. Et là, je serai des glories. Oh Jésus. Je donne un exemple. Mais c'est une parole de connaissance. Tu vis dans une maison. Chaque soir. Un monsieur vient te violer. Tu ne sais pas dire un mot. Tu ne sais pas dire un mot. Tu dis si je parle. Je vais briser le couple d'autrui. Là tu t'attends qu'à Dieu. Là tu t'attends qu'à Dieu. Là tu t'attends qu'à Dieu. Là, tu t'attends qu'à Dieu. L'Éternel a dit. Il t'a écouté. Il t'a écouté. Il combattra pour toi. Tu es tellement faible. Tu es tellement faible. Goliath vient, Goliath il se pointe là. Anashimama. Qui va dire un mot? Des esclaves de Saül. Saül. Des esclaves de Saül. Saül. Tu te vois tout petit. Une jono comme toto. Tout petit. Uku loko moi sana. David. Mie dauti. Tout petit. Ni kumu toto. Est-ce que je peux me battre? Et tout petit. Ni kumu toto. Tout petit. Toto. Tu étais venu ici tout petit. Toto tu étais venu ici tout petit. Toto mais toto je veux te dire, il y a un Dieu pesant en toi. Il y a un Dieu fort en toi. Il y a un Dieu pesant en toi. Il est déjà sur la pierre. Il est déjà sur la pierre. Ah, tu as foulé les pieds en ces lieux. C'est Dieu là s'élève. Pendant que je suis en train de parler, un Goliath est en train de tomber. Un homme fort de sa famille est en train de tomber. Je le vois tomber comme le clair. Je le vois tomber comme le clair. Parce qu'un Dieu pesant est en ces lieux. Alléluia. Et la chaude des glories. Oh Jésus. Un Goliath va tomber ce soir. Un Goliath va tomber ce soir. Il t'a méprisé. Il vous a méprisé. Qui peut dire un mot ici? Qui peut dire un mot ici? Qui ose ouvrir sa bouche? Qui ose ouvrir sa bouche? L'Éternel se lève. Il dit cette fois-ci. Cette fois-ci. Assez. 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 Mère des glories. Oh Jésus. Je vois quelqu'un. Quitter la source à 12 heures. Ah, 12 heures. Tu quittais à 18 heures. Parce qu'on disait, les filles attendaient d'abord. Les filles attendaient d'abord. Les filles attendaient d'abord. On vous méprisait. On vous méprisait. Vous attendez d'abord. Mais un homme est descendu. Un homme est descendu. Assez. Assez. Puisez de l'eau. Je vais voir qui va vous combattre. Puisez de l'eau. Parce que qu'est-ce qui se passe? Mes filles, aujourd'hui, vous rentrez à temps. Pourquoi? Ah, l'Éternel lui-même. Il a étendu sa main. Vous allez puiser pour les animaux. Vous allez prendre aussi pour vous-même. J'entends encore ces filles tourner avec les dossiers en main. Papa avait laissé trois parcelles. Nous avons les héritages. On ne joue même pas de ça. On ne joue même pas de ça. On nous a tout arraché. Qui va intervenir? Qui va intervenir pour nous? Et j'entends l'Éternel dire, ces filles ont raison. Ces filles ont raison. Ces filles ont raison. Ces filles ont raison. Donnez-leur leur héritage. Donnez-leur leur héritage.
Vous avez un Dieu fort. Vous avez un Dieu puissant. Bah de glory. Quand est-ce que l'Éternel intervient encore? Quand nos ennemis sont nombreux. Quand nos ennemis sont nombreux. Les enfants d'Israël, je sais qu'ils étaient nombreux. Vous savez que là aussi nous sommes nombreux. Si un militaire entre, il fait seulement papa. Un seul seulement c'est qu'il entre. Nous nous allons disperser. Amen. Amen. Pharaon. Fais-le. 600 chars. 600 chars. Tu peux m'envoyer même 100. On a ce que tu m'as 100. Hey. Derrière moi. L'armée. Jeshi. Devant moi. Umbele. La mer Rouge. Bari. Combien de cas à gérer? Mambo ngapi ya kuangaria. Deux cas à gérer. Mambo mbiri. Maintenant nous nous retrouvons. Sasa chie tu ne chikuta. Avec 50 cas. Na mambo 50. 10 cas. Mambo 10. À gérer. Il est tunaosa ko tunapata cha kuangaria. Une multitude te suit. Bantu ba mingi beku nakufuata. Ça veut dire seulement beaucoup de problèmes à gérer. Nikusema mambo ya mingi ya kuisha. Beaucoup de combats à gérer. Mabu konvi ya mingi ya kuisha. Je sais que tu rencontres ce genre de combat. Nikusema nakutanaka na mambo ya vile. C'est la santé qui dérange. Ni afya iko na ku. C'est l'homme inakuji, ni qui ne travaille plus. Ni bwana shitumike tena. C'est l'enfant qui ne va plus à l'école. Ni mtoto ashinde tena kumasomo. Oh Éternel, qu'est-ce qui ne va pas? Wa milele nini aendeke? Multitude de combats. Mabukon via mingi. David dit. Daoudi anasema. Oh Éternel. Wa milele. Que mes ennemis sont nombreux. Badu yangu beku ba. Quelle multitude me poursuit? Pwingi kani kunenifuata. Ah. J'ai fait face à ce genre de problème l'année passée. Mili pinzana na mambo ya vile moi que répita. Le diable est passé par même la discrétion que mon mari loue. Bi bwa Shetani alipitia tamu ile kimya bwana yangu anakale na tapa. Oh en fait. Comment je peux remercier mon mari? Mi tampikia kusanti je bwana yangu. Est-ce qu'il y a la liturgie à suivre? Non hein. Et tu mon culture. Est-ce qu'il y a la liturgie au nom compris? Ma kanuni oh mna ubiri mbele oh. Je vais saluer mon époux. Napenda kulamkia bwana yangu. Vous avez raison d'acclamer. Mungu na sababu kupiga mikono. Le prophète Jogras Mwenze. Nabi Jogras Mwenze. Il est pour moi. Et quand je prêche bien, là, comprenez que je suis son épouse. Hein? Je prêche bien, n'est-ce pas? Donc, c'est mon mentor. Jo mentor wangu. Mon prof. Mwarimu yangu. Une bénédiction pour moi. Baraka kwangu. Quand je parle, wakati mina sema, j'ai remué ma langue, même 7 fois, 10 fois. Mina zungulushaka lurimi yangu ata 10 fois. Parce que quand je dis des choses, juu wakati nasema bintu, et que à ses oreilles ça ne passe pas. Na kumashikio yake abipite. Même si je dis avec un bon ton, ata kama miri sema, même sous l'onction, ata kama paupako anase bongo. On dit souvent les femmes protègent l'onction des hommes. Et tout ça, au derrière, un grand homme, il y a une grande femme. Lui aussi, il a géré mon onction. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour le prophète Jogras? Amen. Amen. On parlait de multitude de combats. Je disais l'année passée, je fais face à ce genre de combats. Le diable est passé par ma discrétion. Mon mari dit toujours à ma femme, même pas parler. Quand tu dis des choses là, elle cache et tout ça. Quelqu'un est passé par ma discrétion. Elle vient me dire, maman, tu vois telle chose. Tiens pour moi, ne dis pas à papa. C'était correct. J'ai dit, bon, ça ne dérange pas. Mais Lakini, je ne savais pas que le diable devait passer par là. Oh, c'était un plan du diable. Ça m'a secoué, je vous dis. Ça a bougé le mariage. Ça a bougé les économies. Ça a bougé la santé. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? J'avais des larmes tous les jours à la chambre. Seigneur, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas de réponse. J'ai dit, cette convention, je ne la rate pas. Donc aussi, la nana diable. Royoka. Je vais aller finir avec le diable à la convention.
Je prépare mon billet. Mon mari me disait même, tu viens, la convention a déjà commencé. Je me rappelle quand j'avais fait un texto à papa, j'ai dit je ne viens plus, j'ai un problème de billet, mais je reste. Je prépare le billet. Le diable passe par là. Il prend mon billet. J'ai dit Seigneur, je vais là. On va aller finir avec le diable. J'ai pu réunir les billets. Je suis arrivé, je pense, au troisième jour de la mission. Ah, ça bouillonnait dans mon cœur. C'était pas facile. Je sentais, même, j'ai dit à mon mari, c'est comme si je vais faire l'AVC. Une partie de mon bras commence à se fatiguer. L'Éternel était toujours avec moi. Il était toujours avec moi. Je vous épargne de détails. Maman Irène était en train de prêcher. Elle a fini de prêcher. Quand elle sort, j'ai dit le moment est venu. Voici l'opportunité. On va aller faire tomber le géant. Je vais aller faire tomber ce démon qui me combat. J'ai dit maman Irène, il faut qu'on prie. Ça doit finir. J'en ai assez. Nous avons prié pendant quelques minutes. J'ai scellé mon offrande. C'était pas chez maman Irène, je pense que c'était à... On a la convention là. Déterminé. À 5 heures, je suis là. À 12 heures, je suis là. Le soir, je suis là. J'ajoute encore le bonus. J'ai vu maman Irène à côté. Ça doit finir. Un bonus. Je rentre. Dieu a fait grâce. Je suis allé trouver moi-même. C'est lui qui me combattait. Ah, comme un serpent couché au salon, ou plutôt à la chambre. J'ai pas tellement de détails parce que ma fille me dit des fois, maman, vous avez dit que c'est pour nous, on parle pas de ça, non? Mais ben vous êtes en train de prêcher, après ça va passer, comment on va entendre? Mais comprenez seulement que j'étais combattu. Et aujourd'hui, je témoigne Dieu pour sa fidélité. Ben, tu as beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de problèmes à gérer. Tu te poses des questions. Est-ce que ça va finir? Est-ce que ça va finir? Est-ce que ça va finir? Une bonne information que je te donne ce soir. Ça va finir. Ça va finir. Je sais qu'il y a une multitude de combats. Ça va finir. Lui-même s'élèvera. Dieu intervient quand tu n'as pas de force. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'as pas de force. La force, je ne dis pas, la première faiblesse est quand ton ennemi est plus fort que toi. Mais cette force, manque de force, c'est quand tu es dans le chaos. Tu dis, je n'en peux plus. Tu ne sais même pas fournir d'efforts. Moi, au moins, j'ai fourni l'effort de me déplacer de Kinshasa vers Kolwezi. Les gens de comment comme. Maman s'y avait témoigné. Son mari dans le coma. Toi, tu te retrouves dans le coma. Qui va intervenir pour toi? Quand est-ce que je vais dire un mot à Dieu? Alléluia. Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Lazare était là. Lazare en train de regarder. Et mon Jésus va venir. Mon ami intime, je le connais. Expert à la matière. Ma de glory, achat de glory. Mais Dieu a dit, Mungu anasema, les ennemis ont dit, on va voir, tutaona. On va vous voir, allez briser le vase de parfum sur la tête, qu'ils viennent encore intervenir. Lazare chaos, tu es dans le chaos. Dieu dit, même dans le chaos, je vais venir. Même dans le chaos, je vais intervenir. Même dans le chaos. Alléluia. Mon Jésus à la croix. Ses ennemis ont dit, parlez encore, prêche encore. Tu le faisais, non? Tu faisais grande bouche. Fais encore quelque chose. Oh, Jésus expira à la croix. On l'amène au tombeau. Mets des gloires à Shige. On met une grosse pierre. Sors. Fais encore grande gueule. Parlez encore. Dans les chaos. Dans les chaos. Mets des lâchés de glory. La Bible déclare, trois jours après, l'Éternel intervient. L'Éternel intervient. Moi, il est lâché de glory.
Tu n'as plus rien dans ton compte. Les enfants vont manger quoi? Je suis dans le chaos. Eh, hey, là j'avance. Là j'avance. Là j'avance. Je suis dans le chaos. On a déjà déclaré ma stérilité. Je suis dans le chaos. La bonne nouvelle que je te donne ce soir, pour ton chaos, l'Éternel se lève. Pour ton chaos, l'Éternel vient intervenir. Pour ton chaos, Dieu dit je suis là. Oh le Dieu de chaos. Un homme a dit, ce qui est fini n'est pas encore fini. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Ma délâché de gloire. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Salut le dit, ma déclare. Papa, pendant que je parle, je vois votre la chevelure hein, devenir très blanc. Dieu me dit, cette année, une dimension de sagesse. Une dimension de sagesse. Le Seigneur me disait, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se dit à la maison ou au couple, ou c'est une pensée qui monte. Le ministère doit prendre une autre tournure. Une autre tournure. Je ne sais pas c'est quoi. Si c'est une pensée que Dieu donne, c'est ce que le Seigneur me dit. Maman Irène. Maman Irène. Dieu me dit. Le temps est venu. Le peuple doit vous lire. Le temps est venu, le peuple doit vous lire. Je la vois en train d'écrire un livre. Je la vois en train d'écrire un livre. Mais Dieu me parle aussi du média. Ce n'est pas le message qu'on poste. Mais je le vois en train de faire les émissions. Je pense que l'Éternel va vous inspirer par rapport à quoi apporter au peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maman assis. Maman assis. Dieu me dit. Il y a une vision qu'il vous donne. Je vois ce genre de femme qui dirige, mais qui ne dirige pas genre femme responsable de femme ou quoi, mais je vois une vision en vous. Dieu me dit, vous allez vous mettre au pied de maman Irène. Quand le moment viendra, elle va vous instruire. Quand nous sommes dans le chaos, quand nous disons que c'est fini, qui va intervenir? Qui viendra à mon secours? Alléluia. Alléluia. Madelosha de gloire. Oh Jésus. Papa n'est pas là. Papa Shinap. Maman n'est pas là. Maman Shinap. Je me retrouve seul. Comment je vais étudier? Par où je vais commencer? Wapi. Ah, Dieu dit qu'il commence avec toi. Mungu anasema nanza na wewe. Dieu me dit commence avec Mungu toi. Anasema nanza na wewe. Dieu me dit commence Mungu avec toi. Nanza na wewe. Ma de la chide glo. Oh, Jésus. Dieu m'a dit ce soir. Mungu anayembe, il déplace leo beaucoup de gens. Anatosha bantu bamingi. Il m'a dit ce soir. Anasema John il va déplacer beaucoup de gens. Un mouvement va se passer. Ma de la chide glo. Je vois un désordre se faire. Le Seigneur m'amène dans l'histoire de les ossements desséchés. Des ossements desséchés. Là, il n'y avait plus d'espoir. Richard de gloire. Pas d'espoir. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Il n'y a plus d'espoir. Est-ce que ça peut revivre? Est-ce que ça peut revivre? Est-ce que ça peut revivre? De la sou de l'eau chaude. Là, je parle à un homme. Tout est parti. Tu viens de perdre ton travail. Tu sens que tout le monde te tourne le dos. Tu es dans cette salle. Tu es venu comme par hasard. Cette parole sort pour toi.
Dieu dit, il te connaît. C'est lui qui t'a donné l'intelligence. Tu as beaucoup brillé. Dieu t'a donné l'intelligence. Tu as un bon dossier. Aujourd'hui, lakini leo, c'est lui qui t'a dérangé. C'est lui qui t'a bloqué. Tombe. Ananguka. Made la chale gloire. Parce que je dois continuer sans la présence de Dieu. Tu n'as pas de force. L'Éternel intervient aussi. Je fais seulement l'effort de finir ça. Il intervient aussi quand l'ennemi veut combattre l'œuvre qu'il a commencé en toi. Quand Dieu a commencé son œuvre en toi, et l'ennemi se lève pour te combattre. La Bible nous parle de Sambala et Tobija qui ont combattu les serviteurs de Dieu. Pendant qu'ils voulaient commencer à reconstruire le muraille, se sont interposés. Boba na shimama. Lâche des glories. Pour ça aussi l'Éternel se lève. Na pale tena wa milele na lamuka. Pour ça aussi l'Éternel se lève. Na Dieu ile wa milele na lamuka. Il dit je me lève. Anasema mimi na lamuka. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi. U la ranza kazi muzuri ndani yako. L'achevera. Ateisha. L'achevera. Ateisha. On te dit tu chasses le démon. Bana kwambia unafukusha mapepo. Par Belzebul. Tout ça pour t'arrêter. Il est au tétu à pour te stopper. Tu as Kushima Misa. Et des gloires à saut de la Chegent. La Bible dit. Biblia na sema. Je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne prévendront point contre elle. Je viens déclarer contre les esprits qui t'étouffent pour que tu ne puisses pas apparaître. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas apparaître. Tu vas monter. La Bible dit, mon serviteur s'élèvera. Il montera. Il prospérera. Il montera. Il montera bien haut. Je ne vois pas celui qui va te bloquer. Oh, chade, l'eau, chade, glory. Sans le poids de sa gloire. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va t'arrêter. Le dernier combat pour toi. Tu vas te répandre à gauche. Tu vas te répandre à droite. Tu vas implanter. On parlera de toi dans cette nation. Alléluia. Alléluia. L'Éternel intervient aussi. Pour toi qui ne connais pas ton ennemi. Tu ne connais pas d'où vient le combat. Tu le sens seulement. Et lâche des glories. Alléluia. Qui complote. Qui complote. Qui complote. Ça ne t'atteindra pas. Je vais t'informer que tu as déjà mangé un poison. Cela ne t'a rien fait. Cette année encore, ils vont chercher à faire autre chose. L'Éternel combat pour toi dans le secret. L'Éternel combat pour toi dans le secret. L'Éternel combat pour nous. L'Éternel combat pour nous. Je vais finir mon message. Mais je voudrais que nous puissions nous lever. Oh Jésus. Jésus. Les enfants d'Israël avaient reçu la promesse. 400 ans. 400. Vous devez libérer, quitter l'Égypte. Ils attendaient longtemps cette promesse.
401e année. Rien ne s'est produit. 415. Rien du tout. Oh, 430. L'Éternel dit, je descends. Tu as attendu longtemps. J'ai dit que le temps est là. Le temps est là. 2020. L'année de ton jubilé. Je vais te dire une chose. L'Éternel ne fait rien sans aviser à ses serviteurs son secret. Il a dit cela à ses serviteurs. Allez dire à mon peuple. Je me leverai. Je combattrai pour eux. C'est ce qu'il a dit. C'est ça le thème. C'est le message que Dieu a dit. Je combattrai pour vous. Cette année 2020. Tu as entendu longtemps. C'est pas un slogan. C'est un ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a dit ce soir. Il va déplacer plusieurs personnes. Ce mouvement, je le sens. Les célibataires entrent dans leur mariage. Ce mouvement, je le sens. Les chômeurs être embauchés. Ce mouvement, je le sens. Malasso de gloire. De malades, être guéri. Seigneur, ce sont les moments. C'est ça le temps. Je veux que tu aies l'attitude de le recevoir. C'est ça le moment. Seigneur, je veux voir ces gens. Je veux voir cette personne. Dieu, tu m'as dit qu'elle sera dans la salle. Je veux voir la personne. Seigneur, je veux voir la personne que tu couronnes. La sadelo de gloire. Ma que la de rabo. Ma racho de gloire à santa. Ma de la gloire à de gloire. Où est cette personne? Ma de la sodelo chege. Seigneur, localise-la. Elle n'est pas seulement en face de moi. Mais elle m'entoure. Elle n'est pas seulement face de moi. Elle est derrière moi. Elle est à mes côtés. Elle est devant moi. Elle est derrière moi. Adelo sadelo shage. Ma de la blo. Riso de la shige. Et ma basu de lo shige. Ma gade lo suge lo sha. Le Seigneur est en train d'opérer. La main de l'Éternel est en ce lieu. Je sens sa puissance. Ma de garde de gloire. Il sort de l'achat de gloire. Ma que rabo bobo sort de gloire. Seigneur, je veux voir ces personnes. Le poids de l'Éternel te touche. Je sens ça commence à monter dans tes pieds. God est l'asso de la chie de gloire. Oh basuga, shige rasule. Le poids de Dieu est en ces lieux. Mon Dieu est pesant. Mon Dieu est lourd. Tes ennemis ne pourront pas résister. Sa gloire remplit ces lieux. Ah, je sais sentir son onction. Je sais sentir sa puissance en ciel.
tu vas acclamer le Seigneur, signe de ta sortie, signe de ta libération, signe de ta libération. Les acclamations de triomphe, les acclamations de triomphe, les acclamations de triomphe, les acclamations de triomphe. Tu n'es plus sous l'emprise du diable, tu n'es plus sous l'emprise du diable. Ce n'est plus le temps de l'oppression. Ce n'est plus le temps de l'oppression. C'est le temps de la possession. 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 Et Barocha de Glow. Ce n'est plus le temps de la dénomination. Ce n'est plus le temps de la dénomination. C'est le temps de la nomination du nom de Jésus. C'est le temps de la nomination du nom de Jésus.